Linda, l'histoire, elle devait même pas arriver sur les réseaux. Moi, à partir du moment où déjà il y a un enfant là même là, non, je me préserve. On t'entend plus parler de l'histoire de la petite Anna Chloé parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tout simplement. Ce soir live, non, ça fait longtemps, hein, j'ai pas repris les lives à thème là, faut que je reprenne. Je viens d'arriver, c'est quoi le sujet? Non, on parle de tout ce qui se passe sur les réseaux, sur la toile. J'ai reçu aussi hein, la réponse de Lynn et tout. Maman n'a rien va regarder. Oui, j'ai regardé en vrai de vrai, elle a rien dit. Hein. Et je vous l'avais dit ça. Je vous avais dit, je sais pas qu'est-ce que elle va dire pour se dédouaner. Parce que la finalité, moi, ce que je veux demander, c'est que oui, après la vidéo, mais la finalité, c'est que tu l'as fait. Le chemin que tu as pris pour aller là, dans tous les cas là, tu es arrivé à destination. Et la destination, c'était que tu l'as fait, non? Il y en a qui ont dit que oui, après explication. Non, au final, on apprend que ce n'était pas sa meilleure amie. Là, on n'a jamais dit que c'était sa meilleure amie. Partons du fait que ça soit même que des connaissances. Tu ne pourras pas garder ta connaissance. Même si elle n'a pas pris dans les mains de Nao, ça reste l'ex de Nao. Moi, tu as mangé un mois là. Et puis, c'est connaissance, connaissance qu'on n'est pas chez toi. Connaissance qu'on n'est pas chez toi. Connaissance ne connaît pas chez toi. C'est camarades, amis, copines qui connaissent chez toi. Donc, à partir du moment où Lynn allait chez elle, là, elles ont dépassé le stade. Elles ont dépassé le stade de connaissance. Et puis, on se connaît entre nous. Surtout nous, les femmes. Quand une femme est fâchée, là, on va extrapoler. Donc, de la même manière, Nao est venu les diaboliser là. C'est comme ça aussi, Lynn va diaboliser Nao pour dire qu'elle a abusé dans ses dires. Parce qu'elles sont énervées, donc forcément, chacune va se défendre avec ses arguments. En vrai de vrai, chacune va se défendre avec ses arguments. J'espère que cette histoire, franchement, ils pourront régler parce qu'il y a un enfant au milieu. C'est ce qui est malheureux. Moi, je trouve ça très triste parce qu'il y a un enfant au milieu. Donc, j'espère qu'ils pourront régler ça. Après. Il y a quoi d'autre même comme à faire? Il y a tellement de buzz. Il y a tellement de buzz. Avant j'étais réactif. Avant, dès que ça. C'est-à-dire que dès que ça pète en même temps, j'attrape. Avec les éléments et puis j'ai décortique. Bon, maintenant, je ne fais plus trop ça. Hein? Je ne fais plus trop ça. Depuis qu'ils m'ont signalé là, j'ai peur. J'ai peur. Je ne veux pas que je vais parler de quelque chose et puis allez hop. Ah, mais fais sauter. Ajoutez un modérateur à votre vidéo en direct. Non! Voilà. C'est forcé. C'est forcé d'agiter un modérateur. Femme et Ben et Didi Stone. Femme et Ben, cette meuf-là, putain. Cette meuf-là, en fait, je la kiffe tellement. Elle a un franc parler. On peut descendre quelqu'un comme ça, mais dans le respect, dans la politesse la plus claire et nette. Franchement, parce que ce qu'elle a dit là, ça sortait du cœur, elle n'a rien dit de mauvais. Elle n'a rien dit de mauvais concernant Didi Stone. Elle n'a rien dit de mauvais. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et vu qu'elle l'a côtoyée, elle a vu ce qui n'allait pas. Elle a vu que ah, elle se donnait à fond pour quelqu'un qui, en gros, la considération n'était pas réciproque. Donc, elle a exprimé son mécontentement. Et puis, elle a avancé. Elle a fait une vidéo YouTube. Elle a dit vérité sur tous les influenceurs. Ouais, franchement. Elle a dit ce qu'elle pensait de chaque influenceur. Et puis, voilà quoi. Qui est Femme et Ben. Je vous invite à aller sur YouTube et regarder sa vidéo. Elle a dit quoi? Elle a dit je juge vos influenceurs. Elle a établi la vérité, c'est tout. Après, moi, sur Didi Stone, je sais qu'on m'a beaucoup dit, même des gens qui l'ont côtoyé, qui m'ont dit que ouais, c'est vrai que c'est quand même une petite qui est assez gonflée quand même. Après, il y a ce que les gens disent. Moi, j'ai dit quand t'es fâché aussi, tu diabolises, on diabolise beaucoup. Peut-être que c'est parce que les personnes là qui sont venues me parler étaient fâchées. Avait le seum contre elle, donc forcément, elles sont venues la diaboliser. Ça se trouve que demain, si j'ai l'occasion de la rencontrer ou si quelqu'un d'autre parle encore avec elle, va me dire autre chose d'elle. Donc voilà quoi. Merci pour le badge. Elle s'appelle comment la fille? Quelle fille? Tu es un amour, merci. Enlève ton pull. Tu vas avoir trop chaud. Femme et Ben, ouais, Femme et Ben. Moi, j'aime bien son contenu. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Elle fait rire et tout. J'aime son humour, tout ça. Non, c'est vrai à propos de Lizzie. Ah, c'est vous qui le dites. Moi, je ne la connais pas personnellement. Elle ne peut pas affirmer. Même dans le milieu congolais, les gens parlent d'elle comme ça. C'est eux qui la connaissent. On ne la connaît pas. On la voit comme ça à travers nos écrans. On aime ce qu'elle fait et puis on passe. Ah, dis quoi? Ah,
On avait dit quoi? Enfant de bosso. On est là, on regarde. Moi, je défendais beaucoup Didi Stone, mais finalement, elle chie sur les gens. Ah, mon chien, quand elle chie sur toi, elle va pas te laver. L'odeur, là, va passer. T'as mis quoi sur tes sourcils? J'ai fait faire mes sourcils chez Meilleur Artiste. Je les ai fait faire. D'ailleurs, je dois aller faire la retouche. Le sujet que tu... Est-ce que... Le sujet... Bah, je parle de tout, en fait. Posez-moi des sujets, je parle de tout. Je débrief avec vous, en fait. Puisque je suis en panne, j'attends qu'on vienne me sauver. Étant donné que tes abonnés ont baissé, est-ce que tes prix... Partenariat aussi baissé. Ah, mes abonnés ont baissé. Ah bon? Je suis pas au courant. Je n'étais pas au courant. Je me l'apprends. Ils ont baissé. C'est chez toi qu'ils ont baissé. Comme toi aussi, tu es belle, tu fais rire. Bref, t'es adorable. Merci beaucoup. Mes abonnés ont baissé. Bah. J'ai rien à dire sur l'affaire de José. Franchement. Comme ça, c'est clair. J'ai vraiment rien à dire. Parce que, en fait, là, je suis connecté sur quel. Bah oui, je suis sur Mamana Darren. Je pensais qu'elle. Bah, je suis sur Mamana Darren, je suis pas sur Betty Blanche. Tout à l'heure, je me suis connecté et je vois, il y a marqué Mamana Darren et en. Mamana Darren et en live. Je pensais que je m'étais connecté sur mon faux compte là. J'ai dit, oh, oh, ils vont m'attraper. Mais finalement, je suis au bon. Il s'est passé quoi avec la maman de Anna Chloé? Oh, rien de grave, franchement. Rien, elle fait sa vie, je fais ma vie. On n'a plus aucun contact. Voilà, on n'est plus en contact du tout. 94K9, bientôt 100 000. Tu me dis que mes abonnés ont baissé. Ils ont baissé par quoi, ma chérie? Bah, je n'ai rien à dire sur cette affaire, en fait. Ouais, riez pas, hein. Je pensais que je m'étais connecté sur mon faux compte. J'ai dit, oh, Betty, qu'est-ce que tu as fait? Ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper. Permets. Mon bébé Betty. Je te connais où? T'es trop drôle quand tu fais la MDR. Non, non, oui. Mais Dieu merci, mais c'est pas trompé. Yeah, hey. Ce compte-là, il est là, mais je vais aller. En tout cas, tes vidéos sont extraordinaires depuis ma grossesse. Je me marre tellement que mon bébé bouge de toi. Mais il faut l'appeler Betty. Si tu veux vraiment me remercier, là, il faut l'appeler Betty. Et c'est une fille. Oui. Le live, oui. Tiens, ça mets-toi là-bas. Quand tu finis de faire le live, on va aller où? Tu vois pas que la voiture elle est mal garée? Faut qu'on attende tonton. Viens, tiens, on va faire quoi? Non, on peut pas, mais toi, tu fais exprès ou bien quoi? On est mal garé, on va descendre. Tu veux qu'il est en train de venir soulever la voiture de mon frère? Non, 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 non. Non, 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 on bouge pas, on est là, on attend. Ouais, donc je vous disais, on parlait de quoi même? Donnez-moi un sujet. Moi aussi, je... Mais moi, en fait, moi, le problème, si je fais une vidéo, je juge vos influenceurs. Ils vont me bloquer. Moi, Betty, si je fais une vidéo, je juge vos influenceurs. Moi, elle est loupée. Moi, on va m'en faire foutre. Elle va me faire foutre. Il n'y a pas la loupée. Il y a pas la loupée. Il y a la loupée. Et va. Hé? Hé? Moi, Betty, il y a fait plutôt. Je juge aux influenceurs. Ma bouche là va faire qu'ils vont tous me boycotter. Ils vont plus m'envoyer, ils vont plus m'appeler quelque part. Ok, c'est pas où est mon bonnet. Donc, je peux pas m'amuser à aller dire que celui-là a fait, que celui-là a fait, que celui-là a fait. Non, c'est mieux rester dans mon coin. Anna Chloé, on peut savoir. Vous voulez savoir quoi, Anna Chloé? Je suis pas la maman d'Anna Chloé. Sa maman a Instagram. Allez demander à sa mère. Allez demander à sa mère. Sa mère est là, non? Sa mère, elle est là. Allez demander à sa mère. Il y a Taiki, je pensais qu'il allait être papa, mais c'était pour son clip. Oh, toi, tu connais pas. Toi, tu connais rien. On dit que c'est du marketing. On peut m'aider alors.
Ah bon, Kevin O'Brien a fait quoi encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, j'ai vu. Femme Ben, elle a parlé de lui, mais elle a rien dit de. Franchement, elle a rien dit de spécial. Hein. Dis d'abord, chère dame, tu achètes. Dis d'abord, chère dame, tu achètes les abonnés. Alors là, non. Pour voir si quelqu'un achète les abonnés, tu vois mes statistiques, tu peux les voir, tu vois mes likes, tu vois les vues que je fais dans mon vidéo. Tu peux voir quoi? Tu vois aussi si je descends ou si je monte. Moi, tu vois comment je monte crescendo. T'en as qui passent de 90 à 95 directement. Eux, ils passent de 1000 en 1000, si tu veux, ou de 2000 en 2000. Moi, j'achète pas les abonnés. Ah, la faire une vasirec, franchement, c'est triste. Hein. C'est triste. J'espère vraiment que c'est pas vrai. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui ont participé, toi, ton intention était d'aider le petit. Même si l'argent n'est pas arrivé à destination, Dieu a déjà donné ta bénédiction. Parce que ton intention était de l'aider. C'est l'intention qui compte. C'est pas si ça arrive à destination. Donc, si vraiment elle a fait, elle va régler ça avec Dieu. J'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit, c'est facile de dire ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? La goua, elle a je sais pas combien de kilomètres. Elle, au Sénégal, vous voulez faire quoi? Vous allez aller la tirer et récupérer l'argent? Non, elle a déjà bouffé l'argent. Si elle a bouffé l'argent, laissez. Il y a, comment on appelle? L'argent, là, déjà, c'est sale. Sur quelle plateforme tu as le plus d'abonnés? Sur TikTok, j'ai 270 000. L'argent de base dans ce monde-là, l'argent est sale. Mais si tu veux te faire de l'argent sur un malade, sur un être humain, Dieu va te servir ça à l'aise. Dieu va te servir ça. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis hyper. C'est une attaque ou quoi? C'est trop belle. Arrêtez de me brancher là. J'ai mis un filtre. J'aimerais te voir faire une vidéo avec Zach Makwesa. Je connais pas. Si elle a vraiment fait, c'est dommage. Tu veux aider après derrière, ça se. Voilà. Je trouve ça dommage. Après, depuis, elle dit qu'elle va faire un live et tout. Bon, on est là, on regarde, on attend. Mais quand tu vois la famille du jeune. La mère et le frère qui viennent clairement expliquer par A plus B qui n'étaient même pas au courant qu'une cagnotte a été faite, il y a un problème déjà. Il y a un problème. Moi, vous êtes témoin. Ici, quand il y a eu l'affaire de la petite Anna Chloé, là, je vous ai dit que je ne veux pas recevoir 5 francs. La cagnotte, c'était la maman qui gérait. Je ne voulais même pas gérer. Niveau argent, je ne voulais rien gérer. Parce que l'argent, déjà, gérer ton propre argent, c'est un problème. Allez gérer l'argent de quelqu'un d'autre. La fille à Miami, elle me fout moi faire quoi encore? Celle-là, elle est toujours dans la sauce. Ma camarade, là, même vraiment, hein? Hey. Toujours, elle a des problèmes. Gérer l'argent des gens, non. Moi, me lancer pour dire que je vais faire une. Non. Je peux venir dire que, ok, telle personne. En fait, les abonnés de Kevin ont envoyé juste un extrait de la vidéo de Femme et Ben en disant qu'elle a mal parlé de lui, mais c'était mal entendu. Ah, bah, donc, il n'y a rien de grave. Donc, il n'y a rien de grave. L'intention, de base, tu te lèves, tu dis que l'enfant est malade et tout. L'enfant est malade, tu veux l'aider. Au final, tu. Bon. Que pense de toutes les influenceurs qui critiquent les femmes noires célibataires? J'ai pas compris ta question. Franchement, tu devrais faire une série. T'es drôle, c'est naturel, tu forces pas. Merci. Elle s'embrouille avec sa copine. Qui s'embrouille avec sa copine? Mais j'avais suivi, c'était Miakale, non? Nous tous, on avait suivi. Moi, même, j'avais mis un commentaire, j'avais dit à Mia, ah Mia, t'as mal fait de venir en parler. Hein. Moi, tu peux être ma camarade, mais si tu chies là, moi, il vient de te dire que tu as chié. Hein. Ah oui, bonsoir, je suis là juste pour lire les commentaires. Force ma sista. Et va qui les va qui. Ça, c'est les Bereg Benguistes là. Ouais, vraiment, t'es encore en contact avec la maman d'Anna Chloé. Non, pas du tout. Pas du tout, nous ne sommes plus en contact. Hein. Voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Allez, posez-moi des questions, je vous écoute. On attend, on est là, on attend, mon fils et moi. Et Massiré Mondial. Moi, je m'entends bien avec lui. Hein. Massiré, c'est un petit qui me respecte beaucoup. Il reprenait beaucoup mes vidéos. Le Talier d'Afrique, je te fais des gros bisous. Massiré, je m'entends super bien avec lui. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec lui.
J'ai vraiment pas de problème avec ma sirène. Ena, hello. Que penser de la Ruby la milliardaire? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Ruby. Moi, je la suis depuis autant même des aventures camoises, avant qu'elle fasse les collaborations entre filles. Moi, j'aime beaucoup Ruby. Je l'aime bien. Moi, j'aime beaucoup son humour et tout. On s'est jamais rencontrés, on n'a jamais eu l'occasion de se parler depuis que je suis arrivé sur les réseaux. Mais c'est quelqu'un que moi, j'aime. Moi, je regarde. Collaboration entre filles, là, je connais tout par cœur. Hein. Mais je peux regarder. Il s'est passé quoi avec Anna Chloé, sa maman? Oh. Je coupe le direct. Hein. Je coupe le direct, là. Hein. Regardez vite. Regardez gros VIX. J'ai. Non, moi, j'abuse. Brahms, le drôle. Vous pensez quoi de Brahms, le drôle? Ouais, c'est pas lui qui... Heureusement qu'il est là, hein. Comme ça on peut suivre les loups bérets. Ah, elle faisait trop l'actrice, c'est toi qui me dis, oh. Si elle faisait trop l'actrice, ça va, ça, c'est... Il y en a un mouf là-bas. Merci. Sinon, tu penses quoi de tout ce qui... Merci, José, soi-disant, enfin... franchement, pour... J'ai dit pour José, je sais pas quoi penser, je ne pense rien de cette histoire. Honnêtement, je vous dis la vérité. Ah donc, je vais répondre par rapport à la maman d'Anna Chloé qui fait qu'on pose des questions. Mais je vous ai déjà dit, il y a un... Mais c'est logique. Il y a un fond, il y a un problème. Mais que je ne suis pas prête à exposer maintenant. Ne le prenez pas méchamment. Comment ça se passe, un partenariat avec toi? Il faut me contacter en PV. En plus, je veux dire, à partir d'aujourd'hui, les prix ont augmenté. Ça, c'est avec son. Les prix ont augmenté. C'est fini. Je suis plus moins cher, moins cher là. Hein. Je suis votre moins cher, moins cher là. Hein. Je suis votre moins cher, moins cher. Tu ne comptes plus faire le journal si. C'est parce que je ne viens pas tout vous étaler. Vous me voyez toujours joyeuse. Sinon, j'ai beaucoup de choses à régler, même dans ma vie personnelle. Ouais, et pour, par rapport à l'enfant de la fille d'Arafat là, mon cher, tout, chacun cherche buzz. Dans ce pays là. En Côte d'Ivoire là. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a un nouveau buzz. Donc, laissez-la faire son buzz. Quand elle va voir que ça prend même pas là, même. Tu utilises quoi pour ta peau? Les produits de Lorine Beauty. Quand elle va voir que ça prend pas là, elle-même elle va s'asseoir. Là, c'était passé. Je sais même pas c'est quel début de carrière. Elle-même elle est en train de crier. Donc, laissez celle-là. Ah. Oh là là, tu augmentes en même temps que Ikea. Il y a partenariat. Ah, Ikea! Vous savez, la vie est devenue tellement dure. Il a augmenté. Moutarde même est en pénurie. Donc, nous ne sommes pas augmentés. Tu as maigri, c'est quoi ton secret? Eh, j'ai dit à partir de lundi, je recommence les stories sur mon régime. Vous inquiétez pas. Parce que j'avais atteint mon objectif. Je me suis laissé aller, j'ai repris 3 kilos. Donc, je vais me reprendre comme je faisais avant. Vous allez voir. Oh, j'ai dit cet été-là, il ne blague pas. Bon, même si cet été, il n'est pas trop sorti parce qu'il y a beaucoup de. Il y a le bar à faire, tu vois. L'affaire Carice, j'ai déjà passé, tu es en retard. Moi, la crème unifiée de l'Eurie m'a fait bronzer. Ah bon? À quoi? Oh le. Faut faire le live sur le régime, pardon. C'est pas un live, c'est des stories que je vais faire. C'est pas un live, c'est une story. C'est une story que je vais faire. Ne vous inquiétez pas, la team. Façon, comment tu as maigri, ma chère? Tu es femme, toi? Tu m'insultais là ou bien... Ce que tu viens de me dire là, tu m'insultais ou bien tu... Parce que je ne vais pas t'insulter d'abord sans comprendre. Reformule ta phrase s'il te plaît. Je t'ai vu à Paris samedi dernier à un feu rouge. Ah bon? Tu m'as vu à un feu rouge. Avec quelle voiture? Toi, je suis dans la Clio. Et en ce moment, si vous me voyez, c'est soit. Bah, là, j'avais la voiture de mon frère, mais elle est morte. Ou soit j'étais en Clio 2 blanche. J'ai plus de voiture. Je vous dis, j'ai plus de voiture. Ça veut dire que tu es belle. Parfois, t'as un accent guinéen, j'adore. Ouais, non, c'est comme ça, parce que la vie était montée dans le soleil, elle était partie dans la montagne. C'est ça qui était voulu. Merci. En ce moment, là, vous allez me voir. Là, il y a quoi? Il y a 2 semaines, là. J'étais en Clio. Et moi, je peux vous en vouloir. C'est ce qui se donne une image, hein. Hey, moi je peux pas plus haut que mon cul, frère. Ah oui, ma gueule. Moi j'ai pas de voiture, je roule en Clio 2, frère. Ah oui. Ah oui, moi c'est l'authenticité avec moi. Il y a pas de je vais venir me jouer. Ah non. Je vous ai dit depuis un très bon moment que j'ai vendu ma voiture. J'avais vendu ma 308, après j'ai vendu ma 307. J'ai plus de voiture. J'ai plus de voiture, les gars. Voilà.
Ouais, c'est Lorine Beauty. C'est Kiana Nace, les ongles. Moi, je suis trop authentique. Moi, je suis trop pur, frère. Moi, je suis trop pur. Moi, j'ai... Et la vérité, en fait, je me dis que se donner une certaine image, venir se montrer que non, je vis trop dessus, ça va te retomber dessus. Ça va être un engrenage. Au final, tu vas te mettre dans les problèmes. Tellement tu vas vouloir prouver, en fait. Tu vas vivre au-dessus de tes moyens. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Et moi, j'investis tellement sur mon enfant, en fait, que j'ai pas que ça à faire, en fait, venir me donner une certaine image. En ce moment, je roule avec la Mercedes de mon frère. Parce que j'ai pas de voiture. Hey, je le dis clairement, j'ai pas de voiture en ce moment. J'ai pas ma voiture. Point barre. Ah ouais, c'est la vérité. Je vais venir jouer. Mais jouer les meufs, ouais, vas-y, moi, je roule en leasing, frère. En leasing, je crois que j'ai le temps, ma gueule. C'est fou, quoi. MDR. Mais toi, je vais avoir 30 ans, on doit acheter notre bike. Je me dis, je vais rouler en leasing. À quelle heure? Laisse-moi faire mes comptines. Laisse-moi avoir un bon montant. J'achète ma voiture cash, déjà pour commencer. Voilà. Que de venir me faire passer pour une riche, là. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs, c'était pas flouteuse. Oh là là, c'est bon, c'est regarde, on rit. Il y a fouille, ma chérie. C'est des choses que vous pouvez assumer. C'est une vie que vous pouvez assumer. Tu parles toujours, hein. Non. J'espère que c'est une vie que vous pouvez assumer. Un train de vie que vous pouvez assumer. Après, quand on vous voit en réalité, ah, mais elle, MDR, je l'ai vue, wesh, elle était en comment on appelle, elle était en Twingo. Ah, mais elle, c'est pas elle, elle disait, elle roulait en temps. Betty ne vous a jamais dit. Mon mari, comment on appelle, c'était quand? Le mois dernier? Le mois dernier, c'est Hervé, il avait sa Audi Q5. C'est lui qui avait acheté sa voiture et il l'a vendue. Donc quand j'étais dans le 4x4 là, c'était sa voiture. C'était pas ma voiture. Parce qu'il n'y a pas de parce qu'on est marié, c'est sa voiture. C'était la voiture d'Hervé. Voilà. Mais il a vendu lui aussi, mais il m'énerve. On faisait le malin avec. Maintenant, à chaque événement, l'homme va aller prendre. Comment on appelle? Location. Mais Dieu va faire paiement là-dessus. Vous allez voir. Tu pourrais laisser le live en replay, s'il te plaît. C'est en live, chap. Allez, chap. Allez, chap. Tu peux arrêter les réseaux sociaux pour 2000 euros. D'accord. Pour 2000 euros, il a arrêté les réseaux sociaux. Pour 2000 euros, il a arrêté les réseaux sociaux. Oh, pourtant, si je me laisse une semaine, j'ai fait les 2000 euros. Mais il a arrêté pour 2000 euros. 2000 euros, c'est quoi? Ça m'a envoyé où? Oh, il y a trop de coiffloteurs, hein. Il y a trop de gens qui se donnent un certain genre. Il y en a beaucoup. Il y a même des gens qui, moi, je parle, qui font... Mais je me dis que tu te fatigues. T'as quoi à prouver à qui, en fait? Moi, j'ai rien à prouver à quelqu'un. Je suis venu avec mon authenticité. Je suis Maman Nadaren Betty Blanche. Je suis comme je suis. Comment vous me voyez avec foulard, robe de maison? Je suis comme ça. Moi, je peux pas me donner une image parce que ça va me fatiguer. Moi, c'est quelque chose qui va me fatiguer. Me jouer les femmes trop la bourgeoise de Paris et tout. C'est quelque chose qui va me fatiguer parce que c'est un train de vie que je ne pourrais pas assumer. Et ça, c'est comme ça qu'on se met dans les problèmes. Donc, non. Non, 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 je veux que vous me voyez évoluer. Je veux que ma communauté me voit évoluer. Ah ouais, l'arrivée, elle était comme ça. Ah ouais, Maman Nadaren, hein, franchement, non. On t'a vu évoluer. Ouais, Yanissa, comment elle a commencé? On l'a vu évoluer. Vous avez vu Stella Yato? On l'a vu évoluer. Adinaya, on l'a vu évoluer. On a vu beaucoup de gens évoluer devant nous ici. Mais quand tu veux te donner... Non, aujourd'hui, ils ont un train de vie. Oui, Yanissa, elle a un train de vie. Stella Yato, elle a un train de vie. J'ai pas encore ce train de vie pour dire que moi je vais aller me. Non. Non, 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 je dis la vérité. Je mange pas dans la poubelle. Hein. Je mange à ma faim, Dieu merci. Franchement, il faut dire la vérité. Moi, je vous ai toujours dit depuis que je suis arrivé sur les réseaux. Ouais, je me fais des larges, je me fais de l'argent. Mais j'ai un but. Je peux pas venir, pas flotter, mais jouer les. Genre, j'ai un lifestyle de ouf. Un lifestyle de ouf. Que oui, je vais aller tous les jours dans les grands restaurants. C'est moi, je vais voyager. D'ailleurs, moi, j'ai peur de l'avion, malheureusement. Donc, ça fait que je peux même pas profiter correctement de la vie. Ça, c'est-à-dire, c'est un gros blocage. Mais tous les jours, c'est moi qui vais être en classe business. J'ai le temps de concurrer. J'ai le temps de courir avec quelqu'un. Moi, Betty, j'ai le temps de courir avec quelqu'un. J'ai pas ce temps-là. Hein. J'ai même pas cette énergie. En vrai de vrai. J'ai même pas cette ambition. J'ai même pas cette volonté-là de courir avec quelqu'un. Si tu veux courir, montre-moi que tu cours vite. C'est toi et toi. Mais si tu es arrivé là-bas en premier, tant mieux pour toi. En tout cas, moi, je vais arriver. Doucement, mais sûrement. Je me vois pas, en fait, me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Non.
Je suis pas cette personne-là. Moi, je suis Betty. Frère, elle est née dans le 93, elle est née à Bagnolet. Betty, c'est une craque dans sa tête. Et ben, Betty, elle est comme ça. Frère, Betty, elle est authentique. Betty, c'est une folle dans sa tête. Voilà, c'est quelqu'un. C'est une maman. Elle avance avec son temps. Betty, elle est pas là pour venir prouver à quelqu'un que, ouais, les réseaux, je me fais des 5 000, des 10 000 euros. Je suis pas là pour prouver que, ouais, je suis une grande dame. Moi, c'est mes actes qui vont parler à ma place. C'est ce que je vais réaliser. Point. Si vous avez le temps de courir avec les âmes des gens, si t'as le temps de courir avec une influenceuse, si t'as le temps de courir avec un blog, c'est toi qui vois. Fais ce que t'as à faire. Moi, je suis pas dedans. Donc, je vous ai dit et je vous le redis. Ouais, je roulais en Clio 2, ma gueule. Il y a pas deux semaines là. Je roulais en Clio 2, ma gueule. Il n'y avait plus de voiture. J'ai vendu ma voiture. Ah, mais on peut pas.